Bienvenue à tous, c'est Vinsky, nouvelle série sur la chaîne du Vinsky FC, la Vinsky FC Academy. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai expliqué sur ma chaîne personnelle, mais je la réexplique ici parce qu'on n'a pas encore expliqué sur la chaîne du Vinsky FC. C'est un projet assez énorme parce que c'est le début des premières sections de jeunes au sein du Vinsky FC. Pour la première année, on va créer une équipe de U12 mélangée avec des U13. Ce sera la première équipe officielle de jeunes du Vinsky Football Club. Et pourquoi la Vinsky FC Academy? Parce que en plus des entraînements et des matchs, il y aura une aide aux devoirs qui va être proposée aux jeunes tous les mercredis avant l'entraînement. En fait, on va vous raconter la vie de cette académie qu'on est en train de créer, cette académie de football. Donc c'est une toute nouvelle série. Dès maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans être abonnés. Et mettez un pouce bleu si vous aimez le principe comme ça de voir des sections de jeunes apparaître au Vinsky FC. Mais bien sûr, quand on crée une nouvelle section, il faut faire une détection, tout simplement. C'est une très très belle journée, regardez ça. Cette détection, on a pu repérer des joueurs, mais ça ne suffisait pas, il en fallait un peu plus. Du coup, on a participé au forum des associations à Magnanville, et là aussi on a pu repérer quelques joueurs. Là ils arrivent dans 10 minutes, du coup on va les accueillir parce qu'ils connaissent pas encore le lieu. Comme j'avais expliqué, la Vinsky FC Academy intègre de l'aide aux devoirs et c'est Nicolas du coup qui va les donner, enfin qui va aider les jeunes en fait dans leur scolarité via cette aide aux devoirs. Ça va Nicolas? Ça va très bien, très très bien. Bah déjà, bienvenue au sein de la Vinsky FC Academy. Tu peux expliquer rapidement ton parcours et aussi comment t'en es venu à postuler aussi, comment t'en es venu à arriver là aujourd'hui? Du coup moi c'est Nicolas, je suis enseignant dans la vie de tous les jours. Du coup, alors je suis un abonné de Vinsky, un fan de YouTube et de football. Et après sa vidéo sur l'académie, j'ai envoyé un message sur Instagram, un peu comme une bouteille à la mer, et puis j'ai reçu une réponse. Et donc après, quelques mois après, on a mis le truc en place avec Vinsky, et puis donc me voilà aujourd'hui, prêt à aider les enfants du coup pour l'aide aux devoirs et puis pour d'autres aspects aussi de leur culture, de leur sociabilité, tout ce qui est... Ouais, parce que du coup ça vous le verrez durant tous les épisodes, mais en gros il y aura des sorties etc, donc Nicolas ce sera plus qu'un professeur. Namba, du coup là c'est pour être quoi? C'est pour être délégué, c'est ça? Oui. Et la première mesure c'est je vous protégerai. Déjà ça c'est bien, ça c'est gagné. Toi tu voudrais quoi dans le délégué? Voilà, kebab gratuit. Kebab gratuit, mais qu'est-ce que tu marques ça sur son truc? Mais viens. Non mais regarde, il a dit. Non mais viens faire un truc. Toi, t'as un délégué dans ta classe ou pas? Ou pas encore? Ouais j'en ai. Mais toi t'attends quoi de ton délégué en règle générale? Un délégué ça sert juste à aller dans le bureau à la vie scolaire chercher des feuilles. Si toi t'as un problème demain, tu peux aller parler au délégué et lui il peut aller parler au professeur. C'est comme le capitaine. Le capitaine il sert pas juste à gueuler sur l'arbitre au foot. On est d'accord, le délégué il peut aider à autre chose. Toi quand tu dis je protégerai, c'est bien en soi. Mais tu vas pas te battre avec. Mais c'est pas pour te battre. En gros tu protégerais leur intérêt. En gros,
C'est s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, toi, t'es là pour en gros faire passer le message au professeur. C'est ça d'être un délégué. Donc c'est ça que tu dois promettre. Pas des kebabs. Et pourquoi tu veux déléguer? Parce que. En fait, vous voyez quand il dit des secrets, les gens. Il dit des secrets aux délégués. Ouais. Ça filme là. Et moi je veux entendre parce que moi je suis curieux. Moi je veux tout savoir. Je dois te vouvoyer ou te tutoyer? Je vais me tutoyer. Je dois pas te vouvoyer. Mais vous êtes bizarre ici hein. Pourquoi? Mais vous êtes plus grand que nous, pas vrai? Au collège on doit aller vous voyer. Mais est-ce qu'on est au collège là? Il y a un stylo dans la main, il ouais. Y a une table, il y a une caisse, on dirait bien. Inska, est-ce que je dois te bourrer ou tu suis allé? Tu peux me tutoyer, ouais. C'est quoi le... Hey, mais vous êtes bizarre! Quoi? Non, mais normalement, on doit vous voyer, pas vous tutoyer. Ouais, mais maintenant, on est dans la même équipe. Moi, je suis dans ton club, donc tu peux me tutoyer. Posez-moi, s'il te plaît, juste pour moi. Ok, les gars, petite saison. Ça a été cette première séance des deux devoirs? Ah ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais. Ils sont en forme, un peu excités, mais on sent que quand ils viennent ici, ils ont envie de bosser pour les jouer après. Donc, c'est cool. Franchement, ils sont cool. Il n'y aura pas de galère. Tu fais combien de jongles? Je sais pas. Bon, moi je te donne l'objectif de 50 jongles. Vas-y. Pied droit. Hein? Oui, pas mal. Pied droit. Quoi? Pied droit. Quoi? Pied droit. Gauche? Droit. Ah, pied gauche? Vas-y, pied gauche. Ah, ça saoule, on est pas assez pour faire un match. Neuf. 35, t'as pas réussi. Soit disant ton record c'est 110, je sais pas quoi là, rien du tout. Je te promets mon record c'est 110. Vas-y, prochaine fois je te filme, faut que tu fasses plus de 50, ok? La fin de ce premier épisode sur l'histoire de la Vinsky FC Academy. Pour soutenir le projet, si t'aimes ce genre de vidéo, mettez un max de pouces bleus, ça nous soutient énormément et ça donne bien sûr de la force pour continuer. Du coup, je vous dis à très vite pour l'épisode 2, mais avant, on se retrouve avec l'équipe première des seniors et le début du championnat. Comme Vinsky FC.